Madame Leblocq, l'idée d'Actéris de pouvoir activer des personnes qui n'ont pas de titre de séjour, c'est une mauvaise idée? Mais, tout d'abord, j'ai lu que c'est encore. Ils sont en train d'investiguer ça, mais de toute façon, des gens qui ont été dans une procédure et qui ont été refusés, qui se trouvent dans une situation illégale, ils doivent quitter le pays et pas être. De leur donner un job, c'est ça. Ouais. Et ceux qui sont en cours de procédure, pour lesquels la procédure est en cours ou qui n'ont pas encore entamé de démarche? Mais de toute façon, moi je trouve que c'est un peu bizarre qu'Actéris est en train d'investiguer ça sans qu'il y ait eu des contacts avec nous, sachant qu'il y a encore une population de 9% sans travail en Bruxelles. Et moi je propose de faire tout ce qu'ils doivent faire. Oui. Même si pour Actéris il s'agissait de former des gens, donc des formations pour des métiers en pénurie. C'est-à-dire que. On doit former des gens pour les professions en pénurie, mais il y a des gens ici. Il y a encore 9% de chômeurs ici en Bruxelles. Je vais recommencer. Ouais. L'idée d'Actéris, c'était de former des gens pour des métiers en pénurie. Ce n'est pas une bonne idée. Mais pour les métiers en pénurie, tout d'abord, il y a encore 9% de chômeurs en Bruxelles. Moi, je propose qu'Actéris doit faire son travail là-bas. Pour les gens qui sont hors de procédure ou sont en séjour illégal, il n'y a pas de question de leur former pour des professions en pénurie. Dernière question. Vous êtes ministre d'un gouvernement qui est démissionnaire. Quels sont les moyens de vous opposer à la démarche d'Actéris? De toute façon, comme j'ai vu... À Bruxelles, ils ont dit oui, on est en train de faire d'investiguer et qu'il n'y a pas de momentanément. Aussi, les ministres en Bruxelles sont en démission, hein, c'est ça. Voilà.